Bonjour, bon dimanche. Bienvenue à chacun, chacune d'entre vous. Bienvenue chez vous. Vous êtes chez vous dans la maison de Dieu. Et nous sommes rassemblés ici pour célébrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Nous, les croyants, nous savons que le Seigneur Jésus s'est fait présent parmi nous. Il nous rend capables d'écouter sa parole. Et en même temps, il délie nos langues pour que nous puissions dire notre foi. Exprimons-lui notre confiance en le reconnaissant d'abord comme notre Sauveur et implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui fais entendre le sourd, ouvre nos cœurs à ta bonne nouvelle et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui fais parler les muets, aide-nous à proclamer les merveilles de Dieu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui dis à chacun et chacune de nous, ouvre-toi, libère-nous de tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. On commence ce dimanche avec un passage du livre du prophète Isaïe. J'avoue qu'il s'agit ici d'un sujet délicat. Un sujet délicat parce qu'on nous parle ici de la notion de la vengeance, de la revanche de Dieu. Un sujet délicat, un sujet aussi dangereux. Tout dépend évidemment toujours de notre façon de comprendre aussi Dieu, comment il est. Donc, la notion de la vengeance de Dieu, je pense qu'il y a toujours quelque chose d'inconcertant pour nos oreilles, pour nous, pour les croyants. Surtout en sachant que ça vient du prophète Isaïe. En général, Isaïe, il nous parle toujours d'un Dieu compatissant, il nous parle toujours du salut de Dieu, de sa tendresse, sa fidélité. Mais si on comprend bien le message d'Isaïe,
on n'a pas à craindre la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu, si on bien la comprend, elle opère dans des circonstances extrêmes d'épreuves, des morosités générales, des maladies discriminantes, un renversement complet des situations, mais toujours au profit du salut. Donc Dieu, heureusement que Dieu se montre toujours sensible à la souffrance humaine, à tout ce qui nous arrive, et il ne demande pas mieux que de guérir les aveugles, les sourds, les boiteux, les muets. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant, et vous lui dites, « Assieds-toi ici en bonne place. » Et vous dites au pauvre, « Toi, reste là debout, ou bien assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire
des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppliaient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés vers au ciel, il soupira et lui dit, « Ephphatha, c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. La confiance en Dieu, demandée par Dieu, dans la première lecture. Par la croix, il est venu nous sauver. Tout ça dans la force et la foi et à la confiance. Il parle de l'eau dans la première lecture. L'eau qui alimente notre esprit, comme a alimenté la Samaritaine. Tu boiras de cette eau et tu n'auras plus jamais soif. Dans la deuxième lecture, mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, combien de fois, comme homme, diacre, peut-être prêtre, évêque, et même le Saint-Père. Combien de fois, des fois, il faut qu'on change notre regard envers les autres? Combien de fois, il ne faut pas comparer? Quand je faisais de la pastorale pour les jeunes, je faisais un exercice où on avait d'à peu près toutes les nationalités, et tout le monde se parlait, et on voyait des petits
groupes se former quasiment en fonction de la nationalité. Et mon plaisir était de... On jasait, puis à un moment donné, je fermais la lumière, puis je les changeais de place. Puis là, je leur posais la question, « Qu'avez-vous remarqué avec ceux qui sont avec vous? » Bien, ils me donnaient, « On ne voit rien. » On allumait les lumières, et là, ils s'apercevaient qu'ils étaient avec quelqu'un d'autre. Puis je leur posais la question, « Avez-vous une différence dans vos contacts, dans vos discussions? » Ils m'ont répondu non. Fait que c'est la preuve que, parfois, comme humain, on fait des distinctions. Comment la personne est habillée? Comment la madame n'a pas été chez la coiffeuse avant de venir à la messe? Comment on fait des comparaisons qui, parfois, sont fausses? OK? Le Seigneur est venu pas pour dénigrer celui qui est riche puis qui a réussi dans sa vie, mais pour nous rendre riches de sa parole, de sa foi. Dans l'Évangile, il nous parle d'acte de foi, de ne pas chercher à être vu par différents symboles, différentes choses. Combien de gens ont fait des voyages dans le sud? Levez la main. Combien de fois à la plage on voit le monsieur sortir en bédaine, là, puis ses chaînes en or, puis ses bagues, puis ses bracelets, puis que deux, trois jours après, on apprend qu'il s'est fait attaquer, qu'il s'est fait voler ses bijoux. Moi, ça me parle beaucoup. Parce que dans notre simplicité, on n'a pas à se faire remarquer par nos bijoux, par nos apparats. Fait que c'est important. Le secret avec Jésus, c'est qu'il nous laisse libres et qu'il nous permet d'avancer. On parle, il a ouvert les yeux des aveugles, puis les oreilles des sourds. Il n'y a pas longtemps, j'ai été me faire opérer pour les yeux pour voir mieux. Il n'y a pas longtemps, j'ai été me faire déboucher les oreilles pour entendre mieux. C'est important de toujours oser écouter. Écouter ceux qui souffrent. Écouter ceux qui sont pauvres. Écouter ceux qui ont de la difficulté. Dans notre Église, on est habitué à parler de tout ce qu'est-ce qui ne va pas bien. Combien de belles choses qu'on vit, qu'on pourrait se partager entre nous. Moi, je dis simplement, cet après-midi, Adam me fait une grâce souvent et me permet de baptiser des enfants. Quelle joie de se remettre au niveau d'un enfant. Simplement, l'écouter dans ses mots, dans ses gestes, puis dans son amour gratuit. Aujourd'hui, partons chez nous, chacun avec un objectif, de saluer quelqu'un qui est différent de nous. Différent par sa nationalité, différent par sa façon de vivre, et différent par son paraître. Je vous raconte quelque chose qui est simple. J'accompagne un malade pour le SASMAD. Et à chaque fois, je l'appelle une demi-heure avant, je dis « je m'en viens ». Et à chaque jour que j'y vais, il est 15 minutes dans le portique à attendre que j'arrive. La seule chose qu'on fait, on fait juste parler, se raconter. Et j'ai parti en vacances, et quand je suis revenu, on m'a annoncé qu'il était parti. Ça m'a fait de quoi? Mais ça m'a fait plaisir d'avoir été capable de l'écouter. Être capable de le regarder
même dans ses faiblesses. Et je dirais même que lui me regarde aussi dans mes faiblesses. Parce que parfois, on voit des gens malades, puis on se dit pourquoi. Fait qu'aujourd'hui, ou dans la semaine qui vient, osons poser un geste à aller vers quelqu'un qui est différent de nous. Et que cette journée en soit une d'écoute et de regard vers celui qui nous a créés, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la liturgie, c'est la meilleure école de la vie chrétienne. Et qu'est-ce que la liturgie nous apprend sur la vie chrétienne, sur la vie tout court? C'est qu'avant d'ouvrir la bouche, avant de parler, il faut d'abord apprendre à écouter. Si tout le monde faisait ça. C'est pour ça, qu'est-ce que Dieu nous fait quand on arrive à la messe? D'abord, il nous dit, assieds-toi, il faut que je te parle. Avant de me parler, apprends d'abord à m'écouter. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Nous savons déjà que le Seigneur veut le bonheur de tous les humains, même de ceux et celles qui l'ignorent. Il entend toujours notre prière, présentons-lui nos demandes avec confiance. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que l'Église soit toujours proche et compatissante à l'égard des gens oubliés, démunis et souffrants, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour ceux et celles qui vivent dans l'isolement en ce temps de pandémie et qui souffrent de ne pas pouvoir communiquer avec les autres, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières.
Pour les personnes qui n'ont plus le courage de prononcer une parole de réconfort dans leur famille et leur milieu de travail, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que les jeunes, leurs éducateurs et éducatrices, entreprennent la nouvelle année scolaire avec la conviction qu'ils préparent l'avenir de la société. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que notre communauté accepte de s'engager avec audace et créativité dans de nouveaux projets en ce début de l'année pastorale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Michel, tantôt dans l'homélie, a parlé des baptêmes qu'il fait l'après-midi. Justement, aujourd'hui, cet après-midi, il y a un petit Cairo qui sera baptisé. Donc, nous prions pour les petits. Nous prions aussi pour ses parents, pour Stéphanie et Ramsès. Nous prions aussi pour ses parents et marraines et ceux qui les présentent au baptême. Nous sommes aussi en pleine campagne électorale. On parle des enjeux importants pour notre société, la vie en société, des valeurs, etc., etc. Je pense que c'est important de prier aussi pour nos politiciens. Ensemble, Dieu de tendresse, exauce nos prières. Seigneur Dieu, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux aux merveilles de ta création et de ton œuvre de salut. Dirige nos pas vers les oubliés de notre société et délie nos langues pour que nous proclamions que tu es plein d'amour pour tous les humains. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te les présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te les présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ce matin, donc, nous prions ensemble. D'abord, nous prions pour Odette Atala. La messe a été offerte par Pierre et Madeleine. Nous prions pour la famille Campenalli. La messe a été offerte par Teresa Olmi. Nous prions aussi pour Madame Françoise Bigra. La messe a été offerte par son époux Bernard Clément. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce le lien de notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dans votre prions à la page 16. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église
Dans sa marche au milieu du monde, tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de Satan vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe des bénédictions. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui t'est présente par nos mains, ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, de maintenant et pour toujours, le membre de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin de Tours et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom. Par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis maintenant dans le même esprit, après avoir entendu ce que Dieu avait à nous dire, nous allons maintenant réciter notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre étang. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons les signes de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et ce soir. Quelques nouvelles, quelques annonces de la vie paroissiale en ce premier dimanche de septembre. Comme vous savez, c'est déjà la reprise des activités. On commence d'abord par l'annonce des funérailles. On accompagne toujours les familles qui sont en deuil. Donc, samedi prochain, nous allons célébrer les funérailles de Mme Madeleine Ouimet-Pépin. Madeleine Ouimet-Pépin, samedi prochain à l'église Saint-Martin. Dans la semaine, vous avez aussi les funérailles qu'on a célébrées au mois d'août dans nos deux églises. Célébration annuelle du cimetière, c'est une tradition depuis très très longtemps, je pense que depuis des années 40 qu'on fait la célébration annuelle du cimetière. Autrefois, on disait la fête du cimetière. Moi, je préfère de dire que c'est une célébration annuelle. Nous prions d'une façon spéciale pour les inhumés, pour tous ceux et celles qui ont été inhumés dans notre cimetière depuis les 12 derniers mois.
Cette année, on a le mois de septembre assez chargé. Depuis quelques années, on faisait la célébration un samedi après-midi, mais cette année, le mois de septembre est tellement booké que le seul moment libre que je trouvais pour le faire, c'était dimanche après-midi, dimanche le 19 septembre à 14 heures. Donc, nous allons célébrer, s'il fait bon, on va célébrer à l'extérieur, s'il fait mauvais, on va célébrer à l'église. Et on prend aussi le temps de nommer justement tous les inhumés des 12 derniers mois, dimanche 19 septembre à 14 heures. Nous sommes toujours dans le contexte évidemment de la pandémie et après, même si ce n'est pas encore après, mais on subit encore tout le retard. Donc, dimanche prochain, le 12 septembre, on va être 2 jours avant la fête de la Croix glorieuse. À la demande du pape François et aussi des évêques, nous allons faire finalement la quête spéciale pour les chrétiens de la Terre Sainte. Habituellement, quand est-ce qu'on fait cette quête? Le vendredi saint, pendant l'office de la Passion. On n'a pas pu la faire. Bon, chez nous, cette année ici, au Canada, au Québec, on était correct parce qu'on avait pas mal du monde, mais dans les autres pays, il y avait pas mal de restrictions, les églises fermées. Donc, on a décidé de la reporter donc, au 12 septembre. Donc, partout dans le monde, donc, dimanche prochain, on fait la quête spéciale en pensant aux chrétiens de la Terre Sainte qui n'ont pas, comme vous savez, qui n'ont pas la vie facile en ce temps-ci. Donc, d'avance, je vous remercie de votre générosité. Dimanche prochain, c'est la quête spéciale pour la Terre Sainte. Ensuite, pour l'année pastorale qui commence, bon, c'est vrai que bon, on parle en général de la reprise, mais comme vous savez, la pandémie est toujours là, donc ça va être une relance, la reprise timide. Pourquoi? Parce que vous savez, avec la pandémie, on marche encore sous les œufs. On ne sait pas trop où on s'en va. La situation est encore fragile, donc ça va être encore très timide. On ne peut pas encore faire tout ce qu'on veut. Au niveau des activités, on est pas mal limité. On nous a assuré, au niveau du gouvernement, on nous a rassuré que, en tout cas pour le moment, que le passeport vaccinal ne serait pas exigé pour les lieux de culte. C'est ce qu'ils nous ont dit. Même cette semaine, le ministre Dubé a averti les lieux de culte pour dire que, attention, s'il y a des lieux de culte qui n'ont pas l'intention de respecter justement les consignes sanitaires, vous allez payer pour. Donc, c'est pour ça qu'on garde ça toujours très au sérieux. Donc, au niveau des consignes sanitaires, on garde toujours 2 mètres, on porte toujours les masques quand on se déplace, tout ça, parce que c'est encore très fragile. La situation est toujours fragile. On reste toujours très, très prudent. Donc, au niveau des activités, on est pas mal limité. Ça commence à reprendre petit à petit dans les résidences des personnes âgées. Imaginez-vous, ce matin, en ce dimanche, le 5 septembre, c'est pour la première fois depuis 16 mois qu'on a pu célébrer au Boisé Notre-Dame. Sur le territoire de la paroisse Saint-Pédis, il y a plusieurs résidences. Depuis quelques mois, on fait les célébrations à l'Oasis Saint-Martin, qui est sur boulevard Saint-Martin-Est. Aujourd'hui, on a pu recommencer au Boisé Notre-Dame. C'est l'abbé Pierre Sauvageau qui a repris le ministère, justement, qui fait les célébrations. Et on espère que le premier samedi d'octobre, on va pouvoir recommencer les célébrations au Renoir. Chaque résidence suit son rythme, chaque résidence a une direction différente. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps avant de s'ajuster. On suit ça de près. Cette semaine aussi, on est déjà après la fête du travail. Donc, c'est l'horaire habituel qui reprend. L'horaire habituel de messe sur semaine à l'église Saint-Martin et aussi à l'église Saint-Pédis. Je sais qu'à Saint-Martin, surtout pour la messe de l'après-midi, on a un sérieux problème du trafic sur Saint-Martin, avec 3 écoles qui sont ici à côté. Ce n'est pas évident. On va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est vraiment pas évident. L'après-midi ici sur Saint-Martin, là, c'est l'enfer, justement pour les gens, pour les paroissiens qui voudraient s'y rendre. Samedi prochain aussi, on recommence la célébration du samedi après-midi à l'église Saint-Pédis. Bon, en même temps aussi, je vous annonce, comme je l'ai marqué dans le séménier, que l'archevêque Christian Lépine a accepté de poursuivre ma nomination, mon mandat comme curé ici à Saint-Martin et à Saint-Pédis. Donc, officiellement, je commence mon troisième mandat comme curé. Bon.
Je me suis dit, si pendant les deux premiers mandats, ça veut dire pendant 12 ans, vous n'avez pas perdu la foi, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. J'espère que vous n'êtes pas découragés. C'est toujours un moment, je pense que c'est toujours un moment important dans la vie d'une communauté, justement, le nouveau mandat du curé qui commence. C'est toujours un moment important et pour la communauté et pour les curés. Je vous rappelle qu'autrefois, quand un prêtre était nommé curé, c'était pour la vie. Hein? Et parfois, c'était long. Hein? Donc, pour régler ça, on a décidé justement d'introduire, de commencer le mandat. Donc, ça fait déjà depuis à peu près une trentaine d'années que les curés ont un mandat de 6 ans. 6 ans, c'est bien précis. C'est pour le bien de la communauté et pour le bien du curé. Au bout de 6 ans, on fait une mise au point, on regarde qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut se débarrasser de lui, etc. C'est pour ça, vous savez, parfois il y a des curés qui vont rester juste un mandat dans une paroisse. Parfois il y a des milieux qui sont plus difficiles que d'autres. Parfois c'est l'état de santé. Il y a toutes sortes de, justement, toutes sortes de variantes. Donc, j'avoue que, commencer le troisième mandat, ça prend quand même beaucoup de courage. Parce que les dangers, surtout en commençant le troisième mandat, ce serait de dire, ah, on va poursuivre le statu quo. Il y a toujours ce danger. Donc, ça prend toujours le courage, la détermination pour de ne jamais accepter le statu quo. Ensemble, avec vous, on va poursuivre justement cette mission du renouveau paroissial. Surtout la pandémie nous a remis en question, c'est de se demander justement qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau paroissial. Dimanche prochain, on va essayer de poursuivre ensemble justement la réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut pour la nouvelle année pastorale? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont aussi les conséquences de la pandémie? On va regarder tout ça ensemble. En même temps aussi, on se demande, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe chez nos voisins. La paroisse Saint-Maxime, qui est au sud, qui est sur Boulevard Lévesque, justement, vit un grand changement. L'abbé Charles de Poca, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la paroisse Saint-Maxime, après 22 ans comme curé, Charles de Poca finalement a pris sa retraite. C'était quand même un moment important. Donc Charles a pris sa retraite, il devient maintenant le prêtre collaborateur. Et c'est le jeune prêtre, Pascal Cyr, l'abbé Pascal Cyr, qui était ordonné seulement l'an dernier, c'est Pascal qui devient administrateur. Il y a une toute petite différence entre curé et administrateur, là. Mais Pascal a été nommé pour 3 prochaines années comme administrateur de Saint-Maxime. Donc cette paroisse commence justement une nouvelle étape dans leur vie, pour la vie communautaire, tout ça. On prie aussi maintenant pour la paroisse Saint-Maxime. Je sais aussi qu'il y avait un changement à la paroisse Saint-Elzéar. Il y a aussi un nouveau curé. Toujours au début, en septembre, il y a des changements au niveau des équipes pastorales. Donc ici à Saint-Martin, à part de mon nouveau mandat, il n'y a pas de changement. Kevin et Daniel poursuivent comme agents de pastoral. Michel, comme diacre permanent aussi, devient un petit peu mon bras droit pour m'aider aussi dans la pastorale. Donc, on poursuit ensemble cette justement nouvelle année pastorale. Donc voilà, donc ça c'est brièvement au niveau des nouveautés, au niveau des actualités. Comme je vous ai dit tantôt, nous allons ensemble réfléchir dimanche prochain sur l'ensemble de l'année pastorale. En terminant aussi, je voulais juste vous avertir, dimanche prochain, je sais que vous tenez toujours à avoir votre semainier paroissial. C'est toujours un petit peu, toujours un point de repère important, source d'information. Vous savez que le semainier paroissial est gratuit. Pour nous, pour la paroisse, le semainier, ça nous coûte 0. Ce sont les commanditaires. Hein, toujours la dernière page du semainier, c'est les commanditaires qui payent. Cette semaine, j'ai eu l'appel du semainier pour dire qu'ils ont de plus en plus de misère à avoir des commanditaires. Les commerces ont la vie dure, c'est très difficile pour tout le monde. Et ces semainiers commencent à être déficitaires. Donc, à partir du dimanche prochain, le semainier paroissial, on va l'avoir aux 2 semaines. Aux 2 semaines. Il va toujours gratuit, mais aux 2 semaines. On ne l'aura pas à chaque dimanche parce que ça coûte cher, l'impression et tout ça. Voilà, ce sont les conséquences de la pandémie. On est toujours chanceux de l'avoir, parce qu'on m'a proposé aussi de changer pour un format beaucoup plus petit. Moi, j'ai dit que je voulais garder ces formats, mais on va l'avoir maintenant en 2 semaines. Donc, celui du dimanche prochain, celui du 12 septembre, ça va être aussi celui du 19 septembre.
Semainier va devenir semainier de 2 semaines. En terminant, pour les gens qui sont enjubés, parce qu'on a commencé aussi à recevoir les gens enjubés, parce qu'il n'y a plus de place en bas, pour les gens qui sont enjubés, pour la communion, vous restez là. Il y a quelqu'un qui va vous apporter la communion à enjubé. Vous allez rester là et ensuite, après avoir communié, vous allez sortir, vous allez quitter l'église. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien écouté. Oui, parfait. Lèvons-nous pour notre dernière prière, pour la bénédiction et la communion qui va suivre. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ce don que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le corps du Christ.